Allez, on va s'attaquer au tsunami là. C'est parti. Non, je débloque pas ça, je débloque ça. Allez, vite. Ah ouais, non, mais je suis mou là. Bon, alors, ils vont arriver par en haut. Je prends l'église qui est ici. Ok? D'accord, ok. Ben, je vais prendre celle-là. Je sors deux M8, les kikis, que je vais placer direct en haut. Je vais mettre des barbelés ici, moi. D'entrée pour bloquer là. Trois snipers, je sors. Ok. Donc c'est toi, Saloris, si j'ai bien compris. Ouais. Ok. Allez, c'est parti, j'y vais vite. Hop, hop, je fais les améliorations. On file. Je vais aller les cueillir sur place. Je suis en train de mettre le barbelé, donc ça s'annonce pas mal. Je sais pas si les mines, c'est... Si les mines, ça va être posé pratique. sur que risque d'emprunter l'ennemi. Non mais je sais pas si c'est que pour les véhicules. Sur un, ne traverse pas le barbelé. T'inquiète, t'inquiète. Je pose la mine et je recule. Par contre, il faudra être pas loin parce que... Non, mais je reste là. Est-ce qu'on fait pareil au sud? Merde, 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 reviens, reviens. Blocage de barbelé aussi. Sinon je peux pas faire mieux. Faut qu'on récupère tout là ou... Je sais pas s'il faut récupérer tout de suite ou... Allez, vite, vite, vite. Bon les gars, je pourrais... Oh, ça a sauté! Il bombarde! Ton barbelé! C'est quoi ce délire? Oh bah, ça sert à rien. D'accord, bon, on le saura. Oh là là, ils ont cassé une jolie voiture. Je sais pas c'est quoi cette voiture d'ailleurs. Du coup, ils m'ont bombardé, j'ai plus rien. Ah, j'avais pas vu ça dans. Ah, oups. Ça y est, ça veut là. Dire que. Bon, pas fallant, ça. Allez, c'est là que ton sniper va être utile. Hein. Pour l'instant, je peux rien faire pour vous aider. Ouais, les mines ça marche même sur eux. Ok, c'est bon à savoir. Le seul truc que j'ai pu faire, c'est les développer en lance-flammes, mes bonhommes. Il faut absolument que j'arrive à 200 crédits, mais pour l'instant, on peut pas compter sur moi. Allez, c'est bien là, Anthony, avec les snipers et tout, là on fait mal. Ouais. Merde, ils m'ont envoyé une petite mine. Oh, oh, recule, on recule, on recule, on recule. Bombardement, bombardement. Allez, cassez-toi. Attention, leur bombardement, ils vont très loin. Donc écartez-vous bien, bien, bien. Allez, barre-toi là, putain. Oh, ils sont allumés entre eux, en fait. Ils nous ont rendu service, en fait. Non, mais ils étaient déjà morts, mais... C'est les corps morts qu'on voit gicler. L'ennemi attaque par le nord. Oh, bah, ils reviennent. Je peux plus poser de mine, les kiki. Envoyer un autre M8. Quoi que non, ça sert à rien, j'économise. Cracher la flamme. Oh, oh. Il faut que quelqu'un me répare ça là, si possible. Ici là. Parce que j'ai souffert. Je sais pas qui m'a fait mal, mais. Vite, 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 il va me crever sinon. C'est bon. Il arrive. C'est bon, tu as réparation en l'air ou pas? J'arrive, j'arrive. Pareil. Ça serait cool. Ça serait vraiment sympa. J'apprécierais beaucoup l'effort. J'ai tué. Il est là, mon gars. Il arrive. Par contre, ouais, je vais avoir besoin de toi, Lolo. Pour. Je te répare ton camion là. Ah, tu me le répares, super. Parce que là, il y a un tank qui va arriver là. Ouais, je sais, mais je suis à 176 crédits. Ah merde. Et pour l'instant, j'ai rien sorti du tout. J'attends et je peux. Ah non, là pour le moment, ça va. Il n'a pas encore envoyé le tank. Il n'envoie que sortir des hommes. Que le canon anti-char. Ah si, je peux sortir un canon anti-char déjà. C'était moins cher que je croyais.
Allez, je renvoie vite mon M8 parce que sinon là tu vas galérer. Allez, j'essaie de les lance-flammer là. Attention à vos snipers là, ils sont tous les trois côtés. Il y en a qui sont passés. Ouais, il y en a un qui est passé. Ouais. Ça va, j'ai un sniper, il a fait le taf. T'es dans ce flamme, j'ai fait une seule victime, tu imagines, ça craint, non? Vous avez vu par où il allait attaquer là? Non. Oh, par le. Par où? T'as su? Non. Ah putain, parce qu'il faut que je vois, parce que je peux poser une mine. Quoique, je vais peut-être faire une amélioration sinon. Ouais, non, je préfère mettre une mine. Je vais les mettre en numéro 1, mon sniper putain, en numéro avoir, 2. Pour avoir un L4, il faut 200 crédits. Je fais quoi? Je l'attends aussi encore. Pour l'instant, j'ai un canon anti-char. Oh, ils arrivent par en bas, putain. Ils arrivent par le sud, les enculés. Oh, ils bombardent, attention. Putain, donc à chaque fois... Ouais, à chaque fois, ils bombardent. Ouais, mais là, j'avais mis des... Comment ça s'appelle? Les sacs de sable. Ok. Ah, mais c'est bon, t'en as un de canon anti-char, Kiki, j'avais pas entendu. Ouais, j'en ai un. Après, je te disais, soit je sors un autre canon anti-char, ou soit j'essaie de débloquer les M10. Mais pareil, les tanks, je veux pas en sortir les millions. Ouais, mais là, il y a un blindé, alors ça serait bien que tu t'en occupes. Ouais. Et il tire dessus, là. Ouais, c'est nickel comme ça, bien. Allez, on a adopté une bonne stratégie, Kiki. Ah putain, je l'ai raté. Non, c'est que tu peux plus lui tirer dessus, là. Je sais pas pour quelle raison. Il y a un moment où il doit avoir une sorte de protection. D'accord. Parce que tout à l'heure aussi, je pouvais pas lui tirer dessus, c'était bizarre. Attention, hein, il passe sur le côté là. Ouais, il fait tour. Il se recharge en forêt. C'est bon, on peut lui tirer dessus maintenant. Il doit être coincé. Attention, Anthony, à tes bonhommes là, qui prennent pas une balle perdue. Ouais, mais au cas où s'il y a des mecs qui arrivent ici. Ouais. Pareil, j'ai amené mes deux. C'est bon, il revient, Lolo. J'avance d'un cran pour l'allumer. Ah, il vise mal les miens. Oh. Allez, les gars. Allez, ouais, c'est bon, nickel. À l'ouest maintenant. Oh, il bombarde. Gagez les cons. Ah, il faut que vous me répariez, les Kiki. Il m'a fait mal ce bombardement. Lequel là? Celui-là. Ouais, j'arrive, c'est bon. On va arriver par la gauche là. Ouais. Ouais. T'es allé loin non? Je suis allé poser une mine. Après reculer, comme ça moi je suis retranché dans les murs. J'ai posé une mine, allez dégage, putain. Trop lent à dégager, ce fils de. Nickel pour la réparation, merci Anthony. Recule encore, laissez-le s'approcher. Ok, je recule. Ah, il t'a tué ton. Ouais, il a tué net. Attention, les snipers sont en plein dedans. Anto. Les snipers ils sont débordés hein. Oh, c'est pas cher. Je vais perdre mon véhicule alors je pose une mine au moins. Voilà, oh merde, ça m'aura fait exploser la mine en même temps, je pense.
Ah, c'est bon, ils ont perdu leur blindé. Est-ce que tes snipers les allument? C'est bon. Attention, maintenant j'ai peur au sud parce qu'on n'a pas pris le manoir en plus. L'ennemi attaque par l'ouest, ils disent. Les gars, j'ai débloqué le L4, mais c'est 175 crédits et j'en suis à 61. Donc t'as compris quoi. Allô. Ah non, mais allô, on est dans la merde. On est dans la merde. Hein. Attention, ils arrivent. Ils arrivent par où maintenant, Kiki? Ici. Par le sud. Oh, ils sont une armée. Hein. Il est bien placé ton engin là. C'est pas le mien, c'est celui d'Anthony. Ah ouais, j'ai dit une bêtise. Oh, oh là. Merde, là on est mal. C'est bon, ils font le top. Les snipers. Snipers, ouais. Ouais, j'en ai rajouté. Je me suis dit que ça serait pas de trop. Ah, c'est genre nickel blindé. Putain, je peux plus sortir des snipers, c'est quoi ce délire? Ils attendent qu'il y en ait sur moi. Ah, nickel, j'ai défoncé le engin. Ah, c'est pareil, je me retrouve bloqué au bout d'un moment. Ouais, tu étais une limite. Putain, bien joué les Kiki. Ouais, bah moi j'ai qu'un canon anti-char, pour l'instant il fait l'affaire. Si on le perd, on est foutu par contre. Mais... Ah, ils vont attaquer de l'autre côté. Complètement de l'autre côté. Où c'est, Kiki? Au nord? Là-bas. Merde. Putain. C'est stressant. Oh putain, il y a un blindé. Il y a un blindé là, ouais. Ici là, à côté de... Ici, je vais essayer de poser mon canon anti-char. Fais gaffe, il est en train de te l'allumer. Ouais, je sais, je vais essayer de me cacher là-bas derrière. Putain, c'est chiant. Avec vos snipers, essayez de les allumer, ils vont venir vers moi. Non. Ouais, il m'allume. Protégez-moi avec mon sniper, il me tire par derrière. Je peux pas sortir avec mon canon anti-char. Putain, ils sont lents, moi. C'est bon, j'ai... Heureusement, bien joué, Anto. Il est face à face, avec moi. Allez, mets l'obus perforant. Allume-le, il est à côté de toi, putain. Bien joué, bien joué. Oh, je vais laisser la souffrance pour moi. Ça a dû te rapporter des pesos. Oh, même pas, ça me fait 5 victimes. Bon, c'est que des véhicules. Putain, par où ils vont arriver? Je te répare. L'anti-char. Ah, bonne nouvelle, je vais pouvoir sortir mon L4. Je sais pas combien de secondes ça met. Mais ça, allez, on aura un L4. Ils arrivent par où après? Parce que moi je suis un peu perdu là. Bah, je sais pas là. Pensez à ramasser les armes qu'il y a par terre si jamais. On peut pas, nous, avec les snipers, Kiki. Ah ouais? Il y a des sortes d'adjets. Ah non, 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 laisse tomber. Elle est où la flèche là qui nous indique où ça va se passer? Il peut réparer mon truc. Oh, des deux côtés, des deux côtés. Oh merde. Oh, ok, le canon anti-char, il va protéger le nord. Ok, bah... Le L4 qui va sortir, il va aller au sud. Je descends au sud, alors. Ça marche. Tu restes au nord avec Lolo? Ouais, je ressors Et je te mets mon L4 au sud, Kiki, là. Tu le vois, là? Ok. Ouais, je le vois, il arrive. Il est là. Je ressors deux snipers, là. Par contre, je suis tout seul pour l'instant avec mon L4. Alors, ils arrivent avec quoi au sud? Ils arrivent avec des hommes. Ils arrivent avec des hommes. Par contre, mon L4, il a pas d'amélioration. Ok. Bon, par contre, j'ai des snipers. C'est le vieux M10. Allez, bientôt, je peux sortir aussi un canon anti-char, Kiki. C'est bon, Anthony, de ton côté, ça se passe? Ouais, ça va là pour l'instant. Je sors un canon anti-char que je mets à côté de toi, Kiki, ok? Comme ça, on en a un au nord et un au sud. Enfin. Ouais, c'est pas tout à fait le nord. Mais. Un à droite et un à gauche.
Attention, ils essaient de... Putain, faut que je... Voilà, nickel, tu l'as eu. Bon, je crois qu'on y arrive, hein. Doucement, doucement. On est à combien de... Il faut pas faire d'erreur, hein. Ouais. Ce qui est bien, c'est que chacun fait sa mission. Alors moi, j'ai sorti que deux engins, hein. J'ai un L4 et... Ouais, mais c'est la stratégie qu'on avait mis au point avant de commencer, donc c'est une... Je pense que là, pour le moment, elle fait ses preuves. Mais je sais pas ça si y est, il est là, mon canon anti-char. T'as un canon anti-char aussi. Ah, on a un nouveau truc, matériel. Parachuté. Allez, parachuté ça au milieu, par contre. Dans la base. Okay. Parce que tout à l'heure, il y en a un, il avait parachuté... Ouais, c'est ce gag. Tout en bas, hein. Il ose nous... il ose nous dire qu'on est... qu'on est des idiots. C'est vrai. Le gars, il a parachuté de l'autre côté de la carte, c'est en plein dans l'ennemi. C'est vrai, c'était lui, ouais. En plus. En plus, il est pas allé le chercher, c'est moi qui allais chercher les munitions. Il nous traite d'idiots, l'enfoiré. Par contre, il nous faut des soldats du génie pour les récupérer, alors... Je sais pas comment vous dire, mais on est mal. Parce que moi, j'en ai. T'en as ? Ah bah, récupère tout, alors. Comme ça, c'est toi qui sortiras les prochaines... Si je récupère tout, vous avez rien, vous. Non, non, mais t'inquiète, c'est non, pas non, grave. Non, c'est pas grave, sortez, bonhomme. Moi, j'attends. Ah, ouais. T'inquiète, j'ai mis les munitions perforantes. Qui c'est qui peut me réparer en même temps que je tire dessus là? Parce que j'ai un tank devant moi. Boum. Allez, c'est bon, je l'ai flingué. Bim. Réparez-moi par contre, hein, parce que. J'arrive. Oh putain, ouais. Le M10. Ah, mais c'est pas un L4 que t'as sorti, Kiki, c'est un M10. Ouais, c'est le modèle d'avant. L4, je crois, c'est M18, non? Et ça, c'est M10, donc c'est le char M10, ouais. C'est celui d'avant, non? C'est ça, non? Je sais pas. C'était pas encore équipé de mitraillette à l'époque, cela. Cela, c'est de la ferraille pure et dure. Anthony, le summum, c'est le Pershing M26. Celui-là, c'est toi qui dois le sortir. Putain, j'aimerais bien faire des améliorations aussi pour les hommes. Genre débloquer. Je pense des mortiers, ça serait pas mal aussi. Pour qu'ils nous protègent un peu de loin, mais bon. Ouais, je vais sortir un deuxième L4 d'ici. Tu veux que je le fasse? Ah oui. Le mortier? Ils arrivent par l'est, putain. Oh putain. Allez. Je décale mon truc. Pareil. Je sors un canon anti-char. Ok. Par contre, il faut que vous... Avec... Il y a le manoir qu'il faut prendre. Ouais. Faire gaffe, c'est... J'envoie mon L4. Il y en a un autre qui va sortir, hein, les gars. Donc ça fera deux. Attention, parce qu'ils ont deux engins. Il y a deux tanks, ouais. Ouais, donc canon anti-char, pareil. Il faut me réparer au fur et à mesure. Ah, il y a un tank et un puma, donc ça devrait aller normalement. Par contre, il faut me réparer au fur et à mesure. Hein. Ouais, j'arrive. Putain, je sais pas si j'aurai le temps. On m'a bien allumé. Oh, enculé, moi. T'as tué. Ah, il me l'a tué, putain. Il doit y avoir autre chose alors, plus loin. J'ai tué l'autre, mais pas le tank encore. Ah, ils sont plusieurs, ils sont nombreux. Ramène ton canon anti-char. C'est bon, il est là. T'as fait chier, j'ai pas tiré sur le bon du coup. Je sors un autre canon anti-char, les gars. Réparez-moi. Ouais, j'arrive. Qui c'est qui me fait du mal comme ça là? C'est d'avoir des bazookas, non? Alors, il faut que. Anthony, t'as encore tes soldats du génie là? Récupère mon canon anti-char. Oh, aïe aïe aïe, c'est la merde là. Tu peux, Anthony? Ouais. Ouais, c'est bon. Je t'en fais cadeau, vas-y. Alors là, ils m'ont fait du mal. Hein. Heureusement, t'es en face à face avec lui là, ici. Oh putain, ils attaquent de l'autre côté. Oh merde, là ça craint les Kiki. Putain, ils m'ont défoncé mes deux M10. Je vais pas loin. Là, je suis mal, hein. J'ai perdu. Ils m'ont niqué mon économie. C'est le dégoût. Ouais, le M10, il a pas fait long feu. C'était vraiment de la merde. Mais merde, putain, j'ai déclenché le truc perforant trop tôt là. Eh ta merde. Là on est dans la merde. J'ai,
J'ai perdu mon canon anti-char, les kiki, parce qu'il s'est approché trop près. Et le temps que je m'amuse à le reculer ou autre, c'était cuit. Ok, j'ai tout perdu. Oh putain, c'était chaud. Chaud. Oh là là, un coup il m'a allumé. Ouh, je sais pas qui l'a flingué, mais bien joué. Ah, vous avez les deux canons anti-char, c'est bon. Il y en a une troisième là. Je vais vous ressortir des snipers pour vous couvrir un peu. Ici, il y a des, y a un sniper qui fout rien. Là. Ouais, c'est bon, le flingue, allez. Viens Anto, il faut qu'on les flingue ici là. Ouais. Putain, il nous contourne et tout. Là, nos snipers ils sont importants. Oh, trois véhicules blindés qui arrivent. Hein. Enfin, un véhicule blindé, deux tanks. L'inverse, je sais plus. Il est incontrôlable. Oh putain, c'est trop chaud. Franchement, c'est trop chaud. Ça doit vraiment être dur d'arriver au bout des. Au bout des 16. Hein. Oh le mec, je le tire par derrière, ils arrivent pas à l'avoir. Ils sont pas bons ces fusillés. Je te le dis. C'est pour nous crever. À 8 contre 1, ils arrivent pas à le choper. Ah si, ça y est quand même. C'est pas tes snipers qui c'est vont à qui ce véhicule? Ah ouais, il est là pour protéger au cas où. Non, il est là parce qu'il est mort. Non, non, mais oui, protéger. Y a un canon anti-char à récupérer ici. Tu peux sortir des soldats du génie, Anthony, ou pas? Je récupère. C'est bon. C'est comme ça coûte cher, c'est la gestion de le... L'économie elle est monstrueuse. C'est horrible. Camoufle-toi. Oh putain, ils vont encore revenir. Ça me fait mal déjà. C'est où que ça bombarde au moins? Par haut. Non, ils arrivent par en bas, hein. Ils arrivent par là. Par haut et en bas, je pense. Ah ouais? Ouais, c'est possible. Ouais, en bas aussi. Moi, je descends alors. Je vais essayer de ressortir après un. Hein. Putain. Oh merde, par en bas, c'est un tank, un Stug qui est sorti. Je peux rien faire en fait. Mais on a des canons de char. J'ai récupéré pas mal de bazookas qu'il y avait par terre. Beaucoup de Stug même. Je vais essayer d'en sortir un autre de canon anti-char, mais vu que je tire sur plus personne. T'es qui? Il y a quelqu'un qui va récupérer un. Ouais. Deux là. Je vais essayer, ouais. Je dis bien je vais essayer parce que. Il a sorti des choses. Il y a des trucs avec des lance-flammes et tout. Ah. J'ai plus de base. Ça c'est compliqué ça. Oh, il m'a flingué avant que je puisse y arriver. Putain, j'étais sûr de ça.
Voilà, mes snipers ils servent à rien. Ouais, pareil, mes snipers ils servent à rien là. T'as fait chier, Ah, je peux rien faire. Faut récupérer tous les canons, putain. C'est la merde. Comment on fait quand on a la base qui est morte? Je sais pas. Je sais pas. S'il te reste des bonhommes, il faut plus les perdre. Il est en train de brûler le manoir, ce chien. Et pour ceux qui ont des fusillés, là, vous pouvez pas faire les améliorations dans vos bases bombes gluantes là pour bombarder. Et non, je peux pas, moi. Ah oui, toi, tu peux plus. Ouais. Ah oui, mais c'est les tiens. C'est les tiens en plus, pardon, j'ai rien dit. Ah, on a un truc. Mitraillage au sol. Lui, faudra l'utiliser. avec parcimonie. Chaud. T'as fait chier, c'est compliqué. J'essaie de lui tirer dessus avec mes snipers, mais ça sert à rien. Mais quand il veut, mon canon de char aussi. Oh putain. Oh là là, ce qu'il nous envoie. C'est bon. Ah, ça rien. T'as essayé, je peux sortir un canon anti-char les kiki. Je vais lui envoyer un sticky bomb à lui là, il m'a gavé. Vas-y, je veux voir. Ah, ah mais non, il a allumé avant. T'as pas pu. Bah venez, il y en a un encore là. Si tu veux le tester, c'est, tu peux le faire là aussi. Cher le manoir, allez, envoie la sticky bomb. Oh, ça fait rien. Il va arriver par l'est. Faut descendre les kiki. Ouais, qu'est-ce que je dois faire? Là, sur la droite, quoi. Ouais. Je vais en profiter, je fais un... je vais le tester, ce truc-là. Le tir. Le sticky bomb. Non, non, le tir aérien, là, mais... j'ai rien vu. Oh, non, ça fait coup de mitraillette, hein, on est... ouais. C'est pas terrible. Voilà, il est mobilisé, nickel. Allez, allumez-le, allumez-le. Allez, tuez-le celui-là. Un coup, il faut. Allez, je mets les munitions perforantes. Pensez à le faire, les kiki. Hein. Mettre les munitions perforantes. Oh, aux anti-chars. Ouais. C'est vraiment pratique quand ça vise bien, bordel. Ouh, c'est bon les sticky bombes. Hein. Je sais pas si c'est ça que t'as envoyé ou si tu veux bombarder. Ouais, ouais, ça, ça dépend. Ah, ils vont attaquer de l'autre côté, les kiki. Ouais, j'y suis. Avec un anti-char. Et t'as un sniper ou pas aussi? Non. Ils sont où tes snipers, les trois? J'en ai deux là, je les amène. Tu les amènes? C'est bon? Parce que, ah ouais, c'est des unités mobiles aussi. Je laisse mes snipers ici, moi. Ok? Ouais. Comme ça, on n'est pas... je ressors un anti-char. Ah, je peux pas, j'ai une limite. Non, c'est quoi le délire? Non, c'est bon. Putain, ils m'ont eu. T'as flingué? Ouais. Merde. Comment ils ont fait pour me flinguer les deux? Lolo, faut qu'on fasse demi-tour ici.
Ah, je sais là où je vais là. Avec lui là. Je vais envoyer le sticky bomb. Oh, d'un coup ça l'a pété. Ok, les blindés arrivent par l'ouest. Oh, c'est bon, j'ai déjà deux canons anti-char là. Ok. Attention, ça va tomber, je sais pas où. Attention, ça tape par là. Ah ouais, on a trois canons anti-char là. Nickel, le tank il est mort déjà. Attention, ça arrive par en bas. Mais... Ouais, franchement, leur truc aérien c'est minable. Ouais, j'avoue. Je suis trop déçu. Je m'attendais à un truc comme dans les films là, tu parles. Allez, on tire à plein régime. J'ai plus rien. Allez, je ressors deux snipers. Je sais. Il y a lui qui fait chier là, faut qu'on se rapproche. Attends, je vais le placer. Là, mon canon anti-char il est entre les deux maisons, face à face de lui. Tu le vois? Laisse-les attaquer, perdez pas vos unités pour rien. Voilà, il est face à face, là, il est en train de charger. Et je vais envoyer une sticky bomb pendant qu'il est occupé là. Ok. Sticky bomb, ça fait mal ça hein? Ouais, c'est pas trop mal. Tu vois? Il est mobilisé, c'est bon. Ouais, ça fait tomber quand même. Oh, ils vont arriver par le nord, putain. Quand vous avez des unités là, pensez à appuyer sur le bouton plus pour. Pour les recharger. Ouais. D'accord. Et Kiki, je vais au nord parce que ça va chauffer. Voilà, c'est bon, le tank d'en bas il est mort. Bon, moi je peux avoir que des unités. Ah, mais oui, toi t'es dans la merde, t'as plus de. Ouais, ouais. Ah ouais, j'avais oublié ce détail. Ils arrivent quoi, le nord-nord ou... Nord et sud. Enfin, là où t'es, pas sud, mais ici. D'accord, je t'envoie un canon. J'ai que des fusillés. Putain. C'est un canon, je pourrais rien faire. Oh, ils m'ont contourné les kikis. Il est passé quand même. J'en ai tué un, mais y a l'autre qui est encore dans les parages. T'as vu l'engin que c'est? Ouais, mais il est quasiment mort, c'est bon. J'envoie un sticky bomb, on va voir ce que ça donne. Presque mort, putain. Moteur détruit à peine. T'inquiète, je suis là. Oh merde, ils sont en bas. Ils sont là, les Kiki. Ouais, il a deux mardeurs. Non, les... Je sais plus comment ils s'appellent, ceux-là.
c'est les ancêtres des bardeurs. Oh oh, oh il oh. Passe. Il est foutu le manoir. Il faut qu'on décale là, t'as un canon anti-char ici, Kiki. Mais feu putain, il se met pas droit. Ah ça le nique bien le sticky bomb. Oh là là. Putain c'était chaud là. J'ai 3 canons anti-char, 3 snipers les kiki. On a bombardement. Une ligne de bombes sur les trucs. Oh putain. Oh là là, ils vous bombardent au milieu. Ouais. Vite parez-vous. Attention, il y en a déjà un ennemi là. Ah je le vois, il est caché derrière les maisons le salaud. Je bouge ou vous vous en occupez? Je vais essayer d'aller le chercher mais je n'en peux. Ouais j'y envoie. Ah il vient à moi. Attends, il vient à moi, je lui envoie une sticky bomb. Il est en plein dans l'axe de mon canon anti-charge, j'y envoie une sticky bomb. Allez envoyez-lui les gars. Allez nickel. C'est bon, je crois qu'il va péter. Non c'est pas ça. Ah il est immobilisé. Oh, il bombarde. Ah, y'en a deux, y'en a un, il est carrément en l'air. Qu'est-ce qu'il bombarde? Les enflures. Voilà, y'a un canon, un char qui a enflé. Allez, tirez-lui dessus. Voilà, l'autre qui a le moteur endommagé. Allez, on a fait des bombardements. Voilà, voilà, réparez-moi en même temps. Bon, mais j'ai plus rien. Moi, je perds mon M10. C'est peut-être que quand t'as plus rien du tout, Anthony, peut-être qu'il te redonne des soldats du génie que tu peux parachuter ou comme ça, non? Ouais, peut-être. Hein. Enfin, je dis ça là, pour. Je dis ça pour m'encourager. Flinguez-le. Il y a un sniper ici. Il y a du monde. Oh là là, il m'a flingué. Vous savez qu'on est débordé les gars, sinon j'envoie un bombardement, j'ai pas le problème. Ah, on se fait tirer dessus là au milieu. Attention, tu vas perdre ton canon anti-char. Et vous faites tirer dessus aussi par lui là. C'est qui lui? C'est un... comment il s'appelle? Un style d'obusier. D'accord. Je vois de quoi tu parles. Ah, je sors des fusillés pour récupérer les canons. Ah ouais, ça marche avec les fusillés. Ah bah c'est bon. Ouais, ouais. Je vais faire pareil. Par contre, ils sont pas bons, hein. ils tirent à côté. Eux. À 10 contre 1, ils arrivent pas à lui tirer dessus. L'avantage, c'est que tu prends le canon. Après, tu appuies le plus pour que ton équipe soit complète. Parce que j'en ai deux qui partent sur le canon. Et du coup, ça me revient moins cher. Bien. Allez, juste nickel, j'ai repris les canons juste à temps. Est-ce qu'il y a des canons qui traînent encore? Ouais, j'en ai vu un là. J'essaie de faire le tour pour vous. J'en ai trouvé un ici, Anthony, donc lui c'est bon. Ouais, ok. Il y en a encore ou quoi? S'il y en a encore, tu me le dis. Ouais, je cherche, je regarde. Pour l'instant, j'en vois pas.
Ah bah il y avait celui de Lolo mais il est fini. Ah attention, on va se faire bombarder. Oh, comment il a fait pour me casser hein. Il m'a cassé la bouche lui. Ah, en fait le plus important c'est pas... Ouais, le plus important c'est pas les manoirs hein. C'est de sauvegarder nos bases en fait, parce que sans Anthony c'est compliqué là. Ah là on est foutu là, ça y est, le trépas est ici. Il est à nos portes. Mec... Ah mais c'est avec leurs soldats là qui nous tuent comme ça. Ah il m'a tiré dessus avec son tireur d'élite en plus. Niquer ma base, Rolé. Et la mienne. Il y a un anti-char ici. Ouais. Lolo, si tu peux le décaler. Lui, là. Je pense qu'ils vont niquer le délire. Et t'as un tank là qui traîne, c'est quoi ça? Il est tout neuf. Ouais, elle a réparé là, tout à l'heure. Je l'ai envoyé. Avec les fusillés, essayer de récupérer les anti-chars, non? Ouais, j'ai essayé, mais ils sont déjà morts. J'arrive pas à y arriver. Ouais, ah, je suis mort, j'ai perdu mes trucs. Faire des fusillés pour l'honneur, mais putain c'était chaud les kiki. Putain dommage, j'ai pas compté le nombre de vagues, on est à combien de vagues pour savoir ce qu'il faudra dépasser la fois prochaine. Oh, c'est interminable. C'est quand tu dois arriver à... un canon anti-chars, c'est tout ce qui me reste. Quand tu dois arriver à la 16ème vague, putain tu dois être en France. Allez c'est bon, je suis cuit. Ce qu'il reste. Il reste mes fusillés. Allez, battez-vous. Bon, franchement, là, c'est foutu. Ouh, bah, c'était l'assaut qui a fait mal. Hein. T'allais dire que l'ennemi était en mode facile. Hein. Putain, quand tu dois tomber sur un ennemi en mode expert. Laisse tomber. Ça va être chaud. Non mais je crois que ça démarre en facile, ça finit en pire qu'expert. Ouais c'est possible ça, parce que je crois que j'avais lu que le niveau augmentait au fur et à mesure donc... Bon, c'était sympa à tester quoi. Ouais c'était vraiment sympa ouais. Mais... Oh là là, mais quand tu regardes ce qu'ils nous envoyaient ensuite là... Oh mais tu peux pas résister à ça comme tu veux faire, même si t'as des canons... Ah ouais, c'est trop chaud. Ah c'est chaud, bon, on a tenu combien de temps? Et comme disait Anthony, il y avait le lance-roquette là qui nous bombardait aussi, il faisait chier lui, il bombardait de loin là. Ouais, à un moment donné j'ai réussi à récupérer leur bazooka là, je sais pas ce qu'ils avaient. Et ça fait pas mal, c'est pas mal, ça fait du dégât. Ah ouais, vous avez regardé vos scores individuels? J'ai fait 145, les snipers ont fait leur taf. Non, moi j'ai fait 45, moi j'ai fait... score individuel... Ah mais c'est en véhicule donc j'ai... En véhicule, j'ai fait des points. Ah, t'as fait 110 en toi. Ah, voilà. En véhicule, j'ai fait 15 000 points. Pouf, ah ouais, 15 000 points. J'ai détruit 23 véhicules. Pourtant, j'avais pas beaucoup de. J'ai dû sortir quoi, 3 canons anti-char et 2. 2 M10 qui tiennent pas la route. Ah, mais c'est de la merde. Mauvaise stratégie, je préfère sortir les canons anti-charge, je te le dis. Ouais, ouais, en fait, il faut s'arrêter aux canons anti-charge, j'ai l'impression. Parce que... Mais bon, après, je me suis dit, peut-être plus tard, j'arriverai à sortir un Sherman. Laisse tomber, il en faut de la thune. Ouais, je sais pas comment faire. Hein. Même si tu sors un Sherman, il te faut au moins 20 minutes avant de le sortir, le bordel. C'est clair. Et t'as vu tout ce qu'il t'envoie avant, et puis même quand tu vas le sortir, il va tenir quoi? Moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'à un moment, tu nous as sorti le M10 là. Moi, j'étais content. Il est mort en, je crois, deux coups. Ouais,
J'étais avec mon canon anti-char à côté, ça m'a choqué. Et en plus, dans ma tête, j'étais en train de me dire, allez, c'est bon, j'ai sorti le chasseur de char, c'est bon. Il n'y a personne qui va nous tuer. Il a pris un coup, bim, il a explosé. Oh là là. Bah, c'était le dégoût. J'ai mis au moins 10 minutes avant de l'avoir, voire plus. Sans compter qu'Anthony, le pauvre, il avait la base, quand ça a dégénéré là, à un moment de la partie, sa base c'était la première sous le feu. Ouais. Et ouais, franchement, je pensais qu'ils allaient te redonner, tu sais, comme quand on fait une partie normale, quand tu perds ta base, tu peux parachuter au moins des soldats du génie pour la reconstruire. Rien, t'as perdu. C'est ça. C'est très dur. Ah ouais, c'est chaud. Et en plus, leur cadeau empoisonné, là, le tir de mitraillette là, aérien. Ah, c'est de la merde, ça. Le mec, il a envoyé un caillou, il a envoyé de l'avion à peine. Putain. Il avait même plus de balles, il était obligé de faire avec des cailloux. Une pluie de gravier. Ah ouais. Mais tu sais quoi, moche. Sans déconner, à un moment, j'ai regardé, tu sais, j'ai envoyé le truc, je regarde où il va y avoir l'impact. Il n'y a pas eu d'impact. Et pourtant, j'ai bien entendu l'avion, tu vois. Donc, grosse déception. C'est chaud. Ouais, c'est pas laisse. C'est chaud. Ouais. Putain, bon. Je sais pas comment faire, il va falloir réfléchir. Dommage, comme t'as dit, on sait pas combien d'assauts il y a eu là. Donc pour s'améliorer, on sait pas. Bah quand on reverra la vidéo, on saura, mais. Parce qu'ils l'ont indiqué, mais on fait pas attention tellement on est sous le feu. Ah ouais, t'as pas le temps de regarder. On voit même pas c'est la combienième de vague. Mais je crois qu'on était... si, en regardant la vidéo, peut-être qu'on pourra le voir. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais. Ouais. Ouais, quand on va la revoir, ça va être noté. Donc on fera gaffe, mais. Ouais, faut tenir plus de 43 minutes et 29 secondes déjà. Non, putain, on a fait 43 minutes. Ouais, 43 minutes. Et je crois qu'on était même pas à la moitié, je crois. Ah ouais, non, mais tu dois avoir. Il faut mettre. Tu peux mettre pause au moins, monsieur, non. C'est clair. Oh, si t'as envie de pisser, tu peux pas. Ah ouais, laisse tomber. Il faut prévoir la bouteille sur le côté. Oh là là. Bah, là, c'est une micro-gestion de fou. Ouais. Hein. Mais je pense que. Ouais, je pense que ça t'apprend beaucoup par contre pour les parties escarmouches ou en ligne, tu vois. Ouais. Je pense qu'après, ouais, t'arrives mieux à gérer tes troupes, ce que tu ce on que va tu dire perds que tu sais faire des économies après. C'est de faire gaffe à tous tes trucs. c'est ça, un sou est un sou là. Ah ouais, là tu perds un bonhomme, tu le sens. Putain, ah ouais, ça fait mal. Hein. Et en plus, pour reprendre les canons anti-char, j'ai été débile. À un moment, je voulais reprendre un canon anti-char, c'était un peu la panique. Et je croyais que tu pouvais le faire qu'avec des soldats du génie. Alors j'ai sorti les soldats du génie, ils coûtent 105. Et non, faut le faire avec les fusils, ils coûtent 30. Ils coûtent 30. Quand je me suis rendu compte qu'ils coûtaient 30 et que ça marchait aussi bien, putain, j'étais dégoûté. Et en plus, les soldats du génie sont combien ? Ils sont 3, non ? Ouais, 3. Donc ils vont prendre le canon, il reste les 3 dessus. C'est ça. Alors que les autres fusillés, sont 5. Voilà, ils sont 5. Il te reste 2, tu recharges 3 mecs de plus. Ouais. Tu reprends un autre canon, et ainsi de suite. Et ça te fait qu'à la fin, t'as toujours ton équipe complète. Ouais, ça tu m'avais appris ça, putain, pour faire des économies là. C'est vrai que sur les 5, si t'en mets un sur le canon anti-char, après c'est bon. Ouais. Bah, si t'en mets 3 sur le canon anti-char. Ouais. Bon, c'était pas mal, c'est une bonne découverte en tout cas. Et... Ouais, voilà. c'est des opérations là, on les fait pas souvent celles-là. Ouais. On jamais testé même. C'est rigolo. Suite à la suggestion là, d'un abonné, on a tenté effectivement, bon, c'est sympa. Enfin, il m'a pas proposé celui-là, il en avait proposé un autre, mais. On a commencé dans l'ordre, hein, c'était le premier. Les autres doivent être sympas aussi. Voilà. Bon, en tout cas, on a fait de notre mieux, mais c'était pas évident. Hein. Ouais. Après, je suis curieux de savoir les autres. Là, qui a... Il y a quoi ? Assaut, j'avais vu, et je sais plus quoi. Là, et un Assaut, truc Panzerkrieg, ou un truc comme ça. Ouais. Moi, j'ai répondu à l'abonné, j'ai répondu Blitzkrieg. Ça n'a aucun rapport. Ah, c'est Panzerkrieg, c'est. Ça va. Je me souvenais que du Krieg à la fin. Donc, j'aime bien le concept en tout cas. Ouais, le concept est sympa parce que ça. Enfin, moi j'ai pas vu les 43 minutes passer. Ouais, ça change des étoiles et des destructions totales. Ouais. Ouais. Par contre, s'il y en a qui ont des conseils à nous donner, des véhicules plus solides ou des choses à faire en premier, je sais pas. Ouais, on parce que là, le démarrage il était pas top. Hein. Ouais, pourtant, je pensais qu'on avait adopté la bonne stratégie, on en avait discuté un petit peu avant, mais. Voilà, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Ma foi, on verra bien. Mmh. On réessayera tout ça et les autres opérations aussi au fur et à mesure. Donc voilà, bien joué les Kiki quand même. Hein. Je sais pas où on s'est arrêté, mais bon,
on reverra tout ça. Allez, ouais. On va couper là. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.